Otto, soll ich mal. Tiens, oui, mon sacre bleu là, avec mon voiture. Merci. Celui-là, celui-là, c'est le mien là. Passez par là, vous m'attendez. C'est bon, vous avez répondu. Non, merci Carlo. Au revoir. Merci monsieur. Et vous êtes avec qui? Moi? Ah, moi je suis toute seule. Comment ça se fait ça? Je dis comme vous êtes. Il n'y a pas un de vous deux qui serait intéressé, non? Ah non, désolé, non. C'est toi même parce que je ne suis pas intéressée non plus. Bon, merci. Bon, bah, nous, on est deux. Merci. Bon, allez, on y va. On est prêts? Non, j'arrive pas à servir mon sac. À fermer mon sac. Tiens, Louis, prends mon pull. Pourquoi moi? Bah, parce qu'il te reste de la place. Eh ben, justement, c'est calculé pour. Tu parles d'un calcul? Non, non, mais moi, je connais mes limites, hein. Si je sais que mon sac, il est trop lourd, eh ben, j'y arriverai jamais. Mais tu veux pas prendre mon pull? Ben, non. Ben, bonjour à la solidarité, hein. Tiens, prends l'appareil photo, au moins. Mais seulement parce que c'est un objet à usage collectif. Bon, bah, j'arrive pas à fermer mon sac, alors je pose le couvercle et... Hop, on n'en parle plus, hein. Ok, d'accord. Bon, ben on va essayer de démarrer doucement. Allez, vous me suivez tous. Bon, c'est toi, on y est. Mathieu, tu fais le safier. Tu fermes la marche. Pourquoi moi? Parce qu'il en faut un, mon vieux. Il en faut un. Ok, man. Alors le plus important, c'est de trouver son riz. De marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Hein? Non, 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 non. Si. Si quelqu'un... Ah, un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec le talon et vous déroulez la pointe. Ouais, bah on marche quoi en fait. Hein, ouais. L'idéal, c'est de respirer par le nez. Et de synchroniser votre respiration sur vos pas. C'est excessivement simple, comme ceci. 2, 3, inspiration, petit pas de pause, 1, 2, 3, expiration, et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons. Et si vous voulez augmenter votre vitesse, vous n'avez qu'à allonger le pas. D'accord Mathieu? D'accord. Et vous allez très vite vous rendre compte que tout votre corps rentre en action. Les bras par exemple opèrent un mouvement de balancement. Vous voyez? Et le bassin. Le bassin entre également en jeu par un mouvement de rotation de la gauche vers la droite. Surtout chez les femmes qui elles travaillent bien sur les bras. D'ailleurs, si vous faites bien attention à vos jambes, vous constaterez qu'elles passent par une phase d'ascension à une phase d'appui. En fait, on peut dire que la marche à pied n'est qu'une succession de chutes rattrapées et de déséquilibres contentieux. Oh, ça va, hein. Si ça fait un peu celui-là, je sais, ça sera pas arrivé. Ça va, c'est pas grave. Bah, c'est comme quand on t'explique à respirer, après tu sais plus où t'en es. Moi, je suis un instinctif et j'aime pas qu'on m'embrouille. Embrouille. Bon, bah, je vous conseille de pas trop parler pour économiser vos trucs. Hein. Regardez les genêts qui. L'aspect, c'est pas de déposer des graisses un peu partout. Alors on va faire un contrat tous ensemble. Tous les déchets doivent être conservés dans les sacs.
Ok. Bon. Contrat. Contrat. J'ai pas entendu là. Contrat. Contrat. Tu en fais ça si tu fais de la gueule. Et si on faisait une pause? Bon, écoutez, on va pas commencer à s'arrêter dès qu'on est fatigué, hein. Bah, on va peut-être pas tarder à y aller, hein. Mais il est fou ou quoi? On vient juste d'arriver. Ouais, c'est vrai, on avait pas le temps de prendre une photo, là. Allez, c'est moi qui la prends, tous en place. Et faites-moi un grand sourire, hein. Et voilà. Tiens, passe devant, Cora. Mais t'es pas dans ce Derrick, tu verras, c'est beaucoup plus facile. C'est encore loin? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait plus qu'on a à faire, hein. Ouais. Bon, bah, il faut besoin de faire demi-tour, quoi. Ça va, comment? J'en ai plein les bas, je crois que je vais pas pouvoir continuer. C'est pas grave, c'est des situations qui arrivent tous les jours, tu sais. Tu sais ce qu'on va faire? On va essayer de redémarrer un peu plus doucement. Et tu verras, dans 2 ou 3 km, ça ira beaucoup mieux. Attends, attends, Eric. Je crois que tu m'as pas bien compris. Ça va pas du tout. Faudrait peut-être faire une pause, non? Bah ouais, c'est vrai, après tout, on n'est pas en compète, hein. Vous avez qu'à continuer sans moi. Tu rigoles? On va pas te laisser là. Vous savez, je crois que moi, la montagne, c'est pas mon truc, alors je vais faire demi-tour. Non, vous avez qu'à continuer sans moi. Non, Cora. Parce que je vais vous faire chier tout le temps, alors on se retrouve dans quelques jours à Ajaccio. Cora, non, Cora, une règle fondamentale en randonnée, on ne se sépare jamais. Non. Je peux me retrouver, c'est pas difficile. Cora, maintenant tu arrêtes de faire l'idiote. Non mais tu me parles comme si j'avais 15 ans. Attends, si je dis que j'ai un peu plus, c'est que j'ai un peu plus. Cora, j'ai un peu plus. Cora, sache que ce que tu ressens est naturel. Il y a simplement que tu utilises des muscles dans ton corps que tu n'as pas l'habitude d'utiliser. C'est normal. Ça étonne, je sais, mais c'est normal. Mais sache que je suis vachement fière de toi. Et c'est valable pour tous d'ailleurs. Merci. Je suis très fière de vous. Et... Mais à 5 on est parti, à 5 on arrivera. Ok? We are together. Oui, mais il reste encore combien de temps? Une heure? Si c'est une heure, ça va. Bonjour. 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 Tu vois, Cora, la petite maison en bois là-bas? C'est le refuge. C'est vrai? Le tout, c'est de se dire que chaque pierre est un pas, et chaque pas est une pierre. Alors il ne faut surtout pas tomber. Oh putain, Diana Jones. Ouais, bon, c'est pas un jeu non plus, hein. Bouge pas, j'arrive. Vas-y, mets ta main sur... Et je peux pas, je vais tomber là si je l'autre. Allez, mets l'autre main. Mets l'autre main et tu vas me suivre. Ouais, allez suis-moi. Mes doigts. C'est bon, t'y arrives, oui. Ouais, là, je comprends plus, là. Tu comprends pas? Non, rien. Normalement, au bout du sentier, il y a un ruisseau, là. Ici, y a pas de cours d'eau. Non, mais fuis-toi à mon instinct, vieux. Ah, c'est con, j'avais fini par l'entendre.
Bon, on est perdu ou pas perdu? Perdu, disons égaré quoi. Bon, on arrive ou quoi? On est complètement paumés les gars. Ouais, bon bah moi, je suis complètement exténuée. Je peux pas faire un pas de plus. Et moi, j'en peux plus. Et bon, voilà. Bon bah, on va bivouaquer ici. Le mieux, c'est qu'on fasse deux groupes et qu'on se sépare. Donc Mathieu et moi, on va essayer de revenir le plus vite possible. Hé, hey, vous allez pas mais c'est là, hein. Bon allez, je vais te soigner. Thank you.
Thank you.
Thank you.
l'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Gros plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script. Lumière tamisée, flou artistique. Tou-tou-tou-tou, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne, fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires, et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Ainsi soit-il. Ils ont été les stars de l'année et vous n'avez pas pu passer à côté. Certains ont été consacrés et d'autres ont été révélés. Demain à 20h50, dans Star de l'an 2000, Maréva Galantère revient sur les plus beaux succès de l'année et vous raconte d'un coup de baguette magique tous ces magnifiques contes de fées sur M6. Pour inaugurer le Ridil, il voulait une croisière tranquille dans un cadre enchanteur. Mais le peuple du fleuve a des lois très précises. S'ils ne te dévorent pas, c'est toi qui les dévores. En groupe ou en solitaire, sur terre ou sous l'eau, ceux qui vivent là n'aiment pas les intrus. Pour les aventuriers de l'Amazone, la vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Demain à 22h50. De cette série. Malheureusement, elle s'est arrêtée il n'y a pas très longtemps. Est-ce que les personnes à côté pourraient se taire? Merci. Et bref, j'aimerais savoir si vous avez des rediffusions de cette superbe
comme Hélène et les garçons, le miel et les abeilles, etc., etc. Voilà, c'était moi. Salut et bienvenue au Mont Joyeux. Ici, ce n'est pas du tout la joie. Une boule nous est réservée mercredi soir. Et le problème, c'est que j'ai toujours pas de mec idéal. Alors je suis là exprès pour essayer de le trouver, quoi. Enfin, moi, mon style, ça serait plutôt Tom Cruise. Mais pas Tom la grosse bouse comme celle qui est derrière moi. Franchement, ses cheveux, ça ressemble à un buisson, mais mal taillé. Et son visage, ça ressemble à une calculatrice, ou plutôt à un clavier d'ordinateur. Enfin, bon, moi, c'est pas du tout mon style. Moi, j'aimerais un Tom Cruise ou un Brad Pitt. Stop! Mais quoi, stop? Tu veux un Brad le gros vide? Mais non, j'ai dit un Brad Pitt. Ah. Enfin bon, si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur mon site internet www.beaumec.f. Laissez faire. Salut. Ça juste deux. Je cherche une fille assez belle, aimant la guitare électrique et les tatouages, détestant les poulets et les gringalets. En somme, une petite assez blasée. J'aime surtout les fringues chez les nanas. Elle doit être belle, blonde, aux yeux bleus, et quoi d'autre encore. Et très futée surtout. Alors contactez-moi au www.lagratte.com/moi. Bonjour, je me nomme Duquesnoy Cunégonde Frénégonde, mère de deux enfants, Jean-Hubert et Marie-Louise Antoinette, épouse au château, unie à Baptiste François, notaire. J'aimerais trouver compagne partageant mes passions, celle-ci étant la métaphysique New Age, le point de croix, le Wing Chun et le yoga. En vous souhaitant une agréable journée, je vous remercie de me contacter sur mon site internet au www.ducufray.fric. Bonjour, c'est Marcel Dubuchon. Je chasse depuis 20 ans. Je cherche ce groupe de chasseurs. Sachant chercher le gros gibier. Gros gibier. Avec gros fusil et petite balle. Mais surtout, très important, bomberman pour une bonne cuite le soir. En espérant vous avoir convaincu, je vous donne mes coordonnées. www.chasseur qui cherche le gros gibier. Avec petite balle, non, avec gros fusil et petite balle. Point, laissez faire. Voilà, c'est dit, au revoir. C'est bien. Du talent confirmé. Nous allons ici ce soir vous présenter ce que nous sommes capables de faire. Nous sommes l'équipe des Nasbrock. Et voici, je vous laisse pour une parodie de tapis rouge avec Michel Bruyère. Bonsoir, Michel Bruyère pour vous servir pour ce paillasson kaki. Ce soir, nous allons accueillir des stars internationales et je vous demande d'accueillir Madame Céline Dion. Ouais. Céline Dion. Alors, bonsoir tout le monde, ça va bien ce soir. Est-ce que tu te souviens, Céline? Je me souviens, oui, mais de quoi? Oui, de quoi? De ta première télé. Ma première télé, alors un peu, n'est-ce pas, à Paris. Je me souviens bien, oui, je me souviens. À cette époque, j'avais 14 ans, j'étais vraiment bien moche. Depuis, j'ai beaucoup changé. Oui. Voilà. Et je voulais savoir, est-ce que tu as gardé beaucoup de relations avec les cheveux blonds? Ah non, aucune, vraiment. Je sature, tout le monde me gonfle. J'ai vraiment coupé les ponts, j'en peux plus. Voilà. Et je voulais te demander aussi, est-ce que tu aimes bien la musique de Doc Gynécron? Oui, bon. Alors je vous demanderai d'accueillir monsieur Doc Gynécron. Ouais. Alors bonsoir, Doc Gynécron. Alors, salut. Tu gardes toujours ta relation avec Vanessa? Ah oh ouais, je l'ai rencontré à la Beu des Singes. À un concert. Oh. Et justement, je voulais savoir, quelle est ta relation avec le show business? Ma relation avec le show business, la seule, c'était Joe Épinard. Oh, le solo, c'est barré avec Vanessa. Après ce quart d'heure d'émotion, je vous demanderai d'accueillir Ali Chier. Alors, Ali Chier, je voudrais savoir d'où vient ce nom, Alichie. Je m'appelle où? Non, pas ça, ton nom d'artiste. En fait, c'était mon père, il était déboucheur de faux sceptiques. Et en hommage à ses potes, il m'a appelé Alichie. Voilà. Et est-ce que tu, et
je voudrais te faire un hommage car tu m'as vraiment lancé dans ma carrière et je te remercie. Je voudrais remercier mes parents, surtout mon père et ma mère sans qui ce soir je ne serais pas ici, et mon producteur Laurent Boutontanda et Mylène Fermière qui a écrit les chansons avec moi. Est-ce que tu te souviens quand t'avais 14 ans à l'Olympia, ta première télé? J'ai 12 ans. Voilà, donc si nous cherchons une maison de production, nous n'avons ni adresse ni numéro de téléphone, donc vous pouvez nous joindre par internet au www.nesbrock.com. Voilà. Je m'appelle Mona, je suis maniaco-dépressive. Dans ma folie, bien sûr, dans ma dépression, je n'ai trouvé pour seule amie que Laura, ici présente, elle aussi atteinte de maniaco-dépression. Si vous êtes comme nous, que vous en avez marre de la vie, excusez-moi, que vous êtes dépressive, rejoignez-nous pour un suicide collectif. Demain, au sommet de la Tour Eiffel, à 18h. Bonjour, moi je suis éleveur de cons. Envoyez-moi de beaux spécimens que je puisse vous les renvoyer tout cons. Nous les élevons en plein air. Nos derniers spécimens, ce sont les descendants d'une longue lignée de cons. Des racés, quoi. Alors, n'hésitez plus, envoyez-les nous. Élève cons, éleveur de cons depuis 1872. Ouais, salut, je voulais savoir là. Je suis allé au dernier concert de Lara Fabian et elle a complètement pété le micro, il y a même les murs qui se sont effondrés. Et ma question est, elle a pas un cancer du larynx? Je continue le deuxième. Ouais, c'est toujours moi. Je voulais savoir, là j'ai écouté la dernière interview de Jacques Viret et Thierry Lhermitte, il a raison quand il dit que c'est une belle tête de vainqueur, parce qu'il n'était pas triste du tout. Rapidement et correctement aux quatre questions de rapidité. On applaudit bien fort Marie-Aude. Bienvenue dans Qui veut gagner du pognon. Vous jouez aujourd'hui pour 100 francs. Avec quatre questions. Alors, on est parti pour la première question. Combien pouvez-vous gagner aujourd'hui, Mario? 100 francs. C'est votre premier mot? Oui, Jean-Pierre. Et bravo, c'est la bonne réponse. On l'applaudit. Deuxième question. Je suis prête. Quel est votre nom, Mario? Vous avez le droit à un joker. Je vais prendre le joker. Le joker. Lisez ce bout de papier. Sur votre papier. Et marquez votre nom. Marie-Aude. C'est votre dernier mot, Marie-Aude? Je fais confiance au bout de papier. On l'apprenait bien fort, c'est la bonne réponse! Salut. Salut. Alors, qu'est-ce que t'as fait ce matin, toi, cet après-midi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu le sais bien. Ah non, je le sais pas. Moi, je me suis coltiné la Petra et la Sandra toute la journée. Mais moi, je me suis coltiné le boulot, au bureau. Ah là là. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait, moi? J'ai dormi, peut-être? Justement. Non, mais tu fais plus rien. On te voit plus rien. On t'en voit plus au bureau. J'en ai marre. C'est normal. Je bosse ici. C'est mon bureau, ici. Tu trouves ça normal, toi, de bosser comme un fou? Oui, justement. Je voulais t'en parler, ça peut plus continuer comme ça, t'es jamais là. Tu passes ta vie à courir les jupons. Et puis quoi? Merci. Mais je vais te dire encore, c'est pas possible. T'es tout le temps en train de picoler. Tiens, regarde, tu vois ce que je fais à cause de toi?
Écoute, là, vraiment, je peux plus supporter ces insinuations. Bah, c'est pas grave, c'est que des insinuations. Ça me fait pas rire. Ah. Non, ça me fait pas rire du tout. C'est dommage, je trouve ça drôle. Ah ouais, tu trouves ça drôle. Et en attendant, les affaires de la famille, c'est moi. Les jupons, c'est pour toi. Eh bah oui, t'as qu'à moi bosser. Oui, ça c'est marrant, ça c'est bien dit, hein. Ça te va bien, hein. Ah oui, ah, perfection. Bon, en attendant, j'ai le portable, hein. Moi, je bosse. Tu vois, ça sonne pour moi. Et toi, ça sonne quand? Hey, Sam, je me suis une fois. Ah, vous étiez pas... 3, 2... La pirède. Elle vient de se barre. Non, ils l'auront pas. Mais les gars, faut pas déconner. Ça non, ils l'auront pas. Merde, mais elle a une lame. Sam, arrête, c'est bon. Arrête, c'est bon. Tu vas devoir me tuer, Sam. Sans problème. Tu l'emporteras pas. D'ailleurs, personne ne l'emportera. Donne-moi ce revolver. T'aurais la chasse de tuer un rat. N'approche pas, Sam. Sinon, je te tue. Je te le jure devant Dieu. Donne-moi ce revolver. T'as bien hérité d'un peu de bon sens de ton frangin, quand même. Tu vas tous nous flinguer? Non, Sam. Que toi. Moi. Tu vas me payer cher. Tu vas le payer cher, d'accord. Prise 3. 3. 2. Là, t'es raide. Eh, viens, Chris, on se barre. Non, ils l'auront pas. Mais viens, faut pas déconner. Ça, non. Ils l'auront pas. Mais elle a une lame, merde. Sam, calme-toi, arrête, c'est bon. Oh, merde, ça... 3, 2... Là, t'es raide. Allez, viens, Chris, on se barre. Non, ils l'auront pas. Mais allez, viens, faut pas déconner. Ça, non. Ils l'auront pas. Mais elle a une lame, merde. Sam, c'est bon, arrête, calme-toi. Tu vas devoir me tuer, Sam. Sans problème. Tu l'auras pas. D'ailleurs, personne ne l'emportera. Donne-moi ce flingue. Ça t'arracherait les pieds de te tuer. Ah là, c'est très fort. Que de la merde. Hey, je suis nul, hey, maman. Nul. Maman. 3, 2... Là, t'es raide. Allez, viens, Chris, on se barre. Non, ils l'auront pas. Mais allez, viens, faut pas déconner. Ça, non. Ils l'auront pas. Mais allez, merde, elle a une lame. Sam, arrête. Arrête, déconne pas, putain. Arrête. Tu vas devoir me tuer, Sam. Sans problème. Tu l'emporteras pas, Sam. D'ailleurs, personne l'emportera. Puis moi, ce flingue. T'aurais la chiasse si tu devais tuer un rat. N'approche pas, Sam. Ou je te tue. Je te le jure devant Dieu. Donne-moi ce flingue. T'as bien hérité d'un petit truc de ton frère, quand même. Un peu de bon sens, non? Tu vas tous nous flinguer? Non, Sam. Que toi. Tu le paieras cher. Des promesses. Mais on voit rien. Tu crois que je vais laisser passer ça? Tu vas pleurer, ma biche. Tu vas devoir me tuer, Sam. Sans problème. Tu l'emporteras pas, Sam. D'ailleurs, personne l'emportera. Fais-moi ce revolver avant de t'arracher le pied. T'aurais la chiasse si tu devais tuer un lapin. N'approche pas, Sam. Sinon, je te tue. Je te jure que je te tue devant Dieu. Merde, mais tu n'importe quoi. Merde. Bon, allez, on l'a refait, là. 8e prise, allez. Aïe. Dis pas devant Dieu, toi. Dis pas devant Dieu. Allez, on y va. Oh non, c'est atroce, ton truc, un lapin. C'est la peau. Bon, allez, on y va pour la 8e prise, les filles. Allez, en place. Allez, on y arrive. C'est la bonne, celle-là. C'est la bonne. Place. Allez, on y arrive. C'est la bonne, celle-là. C'est la bonne. Allez, on oublie le lapin, on passe au rat. Allez, attention. Chut, allez, on se concentre. Prise. 12, prise et 1. Plan séquence. Non, mauvaise manette. Voilà, nickel.
J'ai une. Elle est bonne. 11 prise 2. 3. T'es con. Scène 11, prise 1. Oh non, t'es trop jeune pour mourir. Allez. Non, non. C'est bon. Deuxième plan, prise 1. C'est le roi des panélistes. J'ai oublié. Deuxième plan, prise 2. C'est le roi des extérieur jour, prise 1. Séquence extérieure chalet, prise 5. Vous êtes prêts? Ouais. C'est pas grave, vas-y. Générique, prise 1. Bon, c'est toi, on y est. Mathieu, tu fais ses filles. Quoi? Tu fermes la marche. Pourquoi moi? Parce qu'il en faut un, mon vieux. Il en faut un. Ok, man. Le 5, plein d'ensemble, Louis, prise 2. Alors, on tient un peu debout? Oh, ça va, hein? Si ça fait un peu celui-là, je sais, ça sera pas arrivé. Ça va, c'est pas grave. Ouais, bah c'est comme quand on t'explique à respirer, après tu sais plus où t'en es. Moi, je suis un instinctif et j'aime pas qu'on m'embrouille. Bon, bah, je vous conseille de pas trop parler pour économiser votre souffle. Hein. Bon, voilà, on va là. Plan rapproché, Nadine, prise 1. Alors, on tient un peu debout? Oh, ça va, hein? Si ça fermerait un peu aussi, celui-là, ce serait pas arrivé. Ça va, c'est pas grave. Ouais, bah c'est comme quand on t'explique à respirer, après tu sais plus où t'en es. Moi, je suis un instinctif, mais j'aime pas qu'on m'embrouille. Bon, bah je vous conseille de pas trop parler pour économiser vos trucs. Pub Sevia, prise 1, plan poitrine. Action. Une garçon à remontant. Vous voulez comme un montant? Je sais pas, un truc qui tue là, un torboyau. Eh mec, ça va? Ouais, ma femme m'a plaqué, j'ai été licencié. Pas de chance. Ouais, c'est la vie. Eh, bah doucement, mec. Eh, c'est pas n'importe quelle bière que tu bois. Ouais? Ah bah ouais, c'est Sevia. La boisson bière des rois. Plan poitrine, prise 2. Garçon à remontant. Que vous voulez comme remontant? Je sais pas, un truc qui tue, un torboyau. Eh mec, ça va? Ouais, ma femme m'a quitté et j'ai été licencié aujourd'hui. Pas de chance. Ouais, c'est la vie. C'est pas fini. Le moteur? C'est bon, c'est moteur. Excuse-moi. Allez, arrête. Projet libre. Pub Sevia. Plan poitrine, prise 3. Garçon, un petit remontant. Est-ce que
vous voulez comme remontant? Je sais pas, est-ce que vous avez un truc fort, un torboyau? Hé hey mec, ça va? Ouais, ma femme m'a quitté et j'ai été licencié aujourd'hui. Pas de chance. Ouais, c'est la vie. Ouais. Alors, Catherine, prise 4. Garçon, un petit remontant. Plan poitrine, prise 5. Garçon, un petit remontant. C'est dur, c'est ça la boule. En pub Sévia, plan poitrine, prise 5. Garçon, un petit remontant. Qu'est-ce que vous voulez comme remontant? Je sais pas, n'importe quoi, un torbaillot. Est-ce que vous avez été fort? Poitrine, prise 7. Garçon, un petit remontant. Vous voulez quoi comme remontant? Je sais pas, est-ce que vous avez été fort, un torbaillot? Hé hey mec, ça va? Ouais, ma femme m'a quitté et j'ai été licencié aujourd'hui. Oh. Pas de chance. C'est la vie. Hé, hey, bois doucement. Hé, hey. Mais c'est pas n'importe quelle bière que tu bois. Bah je vois ça, c'est vachement bon. Hé, hey, ça s'appelle Sévia. La bière des rois. Sévia, gros plan, prise 1. Sévia, non seulement c'est bon, mais en plus, ça se boit. Blablabla. Repas main haussée, prise 2. C'est la préparation pour la séquence B. Et bouche pourrie aussi. Séquence merde. Séquence nez et bouche pourrie, prise 1. C'est pas tout seul. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Regarde, David. C'est bon, il y avait des plages de lait dedans. Oh, c'est bien. J'ai pris dans la poubelle, tiens. On dirait que un gros zoom là. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant, jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Gros plan de toi dans ton berceau.
comme il est précisé dans le script. Lumière tamisée, flou artistique. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne. Fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, deux, trois mousquetaires. Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Ainsi soit-il.